Bonjour, aujourd'hui vidéo pour les parents avec enfants. Donc je vais être accompagné de mon fils qui va me servir de partenaire. Bonjour. Voilà, donc c'est Nolan. On va vous montrer quelques exercices, donc dans plusieurs endroits, hein, en chambre, dans le salon et dehors. Voilà, des petits exercices qui pourront être à faire soit tout seul pour l'enfant, soit un petit peu en compétition avec papa ou maman. Voilà. Donc on va vous montrer ça. Premier exercice, donc travail guidé par ceinture, une corde pour donner la direction à votre enfant. Travail à quatre pattes, voilà, sur les quatre appuis en avant-arrière et travail à faire environ 5 fois par exercice. Donc Nolan va vous montrer les trois exercices différents. Sur les pieds et les mains. Et l'araignée. Voilà, c'est le plus dur. Très bien. Voilà, donc l'exercice peut se faire aussi parents contre enfants pour s'amuser un petit peu. Donc on va faire la course. Donc moi j'ai pris une ceinture aussi, elle est à peine plus longue, hein, vu que je suis plus grand. On est prêt? Oui. Attention, c'est parti. Sur les pieds. Et voilà. Voilà, cet exercice peut être fait aussi avec un petit ajustement, hein, avec le but, c'est ramener des objets d'un point à un autre. Donc, Nolan va vous le montrer. Vas-y. Oui. Voilà, il le pose, il revient. Sur les pieds et les mains. L'araignée, le plus dur. Avec les caplapes. Je vais te mettre sur l'autre main. Les caplapes. Oups. Et on revient. Allez. Alors, trois nouveaux petits exercices de locomotion qui sont possibles de faire aussi en opposition avec papa ou maman ou avec son frère ou sa sœur. Voilà. Et aussi possible d'ajuster avec les histoires de Capla. Donc là, on va vous montrer juste les déplacements à faire. Et après, voilà, à vous d'ajuster à votre manière. Voilà, donc l'âne est placé sous un petit drap. J'ai pris une petite taie d'oreiller. Voilà, il va s'allonger. Vas-y, il va montrer le premier déplacement. Vas-y. Voilà, donc là, locomotion qu'avec les membres supérieurs. Voilà, super, très bien. Assis. Assis. Très bien. Et assis en arrière. Vas-y. Donc là, il a toujours sa ceinture pour le guider. Mais il ne peut plus aller dessus. Tu fais demi-tour? Allez.
Et go. Prochain travail pour cette séance, travail debout. Alors, qui peut être soit fait en autonomie, soit accompagné par les parents, je vous le montrerai. Et toujours pareil, on peut l'accompagner avec les caplas ou alors faire la course avec son enfant. Voilà, Nolan va vous montrer ça. Allez, en courant. En courant avec caplas. Tu poses ? On pose, on se descend bien, voilà, le dos bien droit. En sautant, sans caplas. Va doucement. Va doucement. Avec caplas, on se baisse bien, le dos bien droit. On se baisse, super. En pas chassé, sans caplas. Avec caplas, on se baisse, toujours bien le dos bien droit. Voilà, on espère que ces petits exercices vous ont plu. On vous en fait très vite. D'accord, on va essayer de vous en faire tous les jours pour vous occuper, vous donner plein d'idées hein, pour occuper ces jours de confinement. Allez, on garde la patate !